Ezala yewtude e haala France kañon discours alaji alseni Paris be investi cette joni harayne do wat jangude discours mabbe on ko be mankanta jama on e musitangal fo e haala France on wacce hakki. Excellence, Monsieur les membres du CNT et du gouvernement. Excellence, Hore de Tabital Poulaku International. Distingué et respecté chef religieux. Vénéré imam, cheikh, sage et notable. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Avec votre permission, nous avons l'insigne honneur, au nom du bureau exécutif de la coordination nationale, du conseil des sages, des responsables des antennes intérieures et extérieures, de la coordination et de toutes les notabilités ici présentes, de nous adresser aux respectées personnalités qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie historique, certes modeste, mais combien significative. Nous commencerons par remercier sincèrement leur excellence, messieurs les membres du gouvernement, les hautes personnalités venues de l'extérieur et de l'intérieur du pays, bref, tous ceux qui ont bien voulu accepter de faire leur déplacement de Conakry. C'est ici le lieu d'exprimer toute notre gratitude à son excellence, monsieur le président du CNRD, chef de l'État, pour toute l'attention portée à cette cérémonie et les facilités créées pour son bon déroulement. Les mêmes remerciements s'adressent aux respectés représentants des coordinations régionales de la Basse-Guinée, de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière, avec lesquels la coordination entretient dans la sérénité et la bonne compréhension des rapports excellents pour le maintien et le renforcement de la paix et de l'unité nationale. Vous comprendrez, respectés chers frères et sœurs, notre grande émotion chargée de gratitude et de reconnaissance au regard des responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui. Au fond, j'apprécie à sa juste valeur la portée de la haute confiance que vous avez bien voulu placer à ma modeste personne. Il s'agit d'une lourde mais exaltante responsabilité qui vient de m'être confiée. Inch'Allah, je consacrerai toutes mes forces physiques, morales et intellectuelles pour le bon accomplissement de cette nouvelle mission. Je reste persuadé qu'avec votre soutien sincère et l'aide du Tout-Puissant Allah, je parviendrai à assurer avec maîtrise le guidage de ce navire qui arrivera à bon port, Inch'Allah. En ce jour mémorable, où ressurgissent beaucoup de souvenirs pathétiques, nous tenons à rendre un hommage mérité à nos illustres devanciers, connus et anonymes, qui ont œuvré avec conviction et dévouement pour l'entente et l'unité des composantes sociales de la nation guinéenne. À cette occasion, je tiens à adresser mes meilleures pensées à nos trois grands devanciers que sont Feu Elhadj Ibrahim Massiba, Elhadj Cheikh Yahya Barry, Elhadj Ousmane Fatako Balde. Avec votre permission et au nom du président de la coordination, accordons-leur une minute de prière, s'il vous plaît. Comme vous le savez, la coordination est une association apolitique, à but non lucratif, créée en 1987 dans l'objectif de cultiver l'entente, la paix et la fraternité entre toutes les composantes de la nation guinéenne, sans oublier nos frères établis à l'étranger. Il s'agit de raffermir la cohésion sociale, protéger nos us et coutumes, gage de stabilité et de développement national équitable. Depuis sa création, les objectifs de la coordination sont restés intangibles. La coordination vise à assurer un développement harmonieux et intégral des relations des natifs du Fouta, toute composition sociale confondue, et ce, en synergie avec toutes les autres communautés, dans l'objectif de promouvoir leur culture, leur éducation pour leur épanouissement général. Aujourd'hui, grâce au bon Dieu, la coordination est présente dans toutes les préfectures de notre pays. Elle est également opérationnelle en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie.
durant l'intérim de 4 mois, 10 jours, que nous avons eu l'honneur d'assurer, nous nous sommes rendus à la tête d'une importante délégation dans les 4 régions naturelles de la Guinée, ainsi que dans certains pays de la région ouest-africaine. Nous tenons à remercier du fond du cœur ces braves populations qui nous ont réservé partout un accueil des plus chaleureux. Ces déplacements nous ont permis de toucher du doigt les importantes actions réalisées par l'État, mais aussi les difficultés et contraintes auxquelles font face aujourd'hui nos populations. Les réalités du terrain révèlent clairement qu'à côté des actions sociales accomplies quotidiennement par la coordination, il faut nécessairement inscrire de nouvelles priorités, à savoir les actions économiques et éducatives, d'où la nouvelle vision, intervenir à côté de l'État dans le social et l'économique. L'économique et le social doivent travailler en synergie pour jeter les bases d'un développement durable, d'où le rôle crucial des coordinations régionales dans la recherche et la culture de la paix, de la préservation de nos valeurs de civilisation, le respect de l'autre, afin d'œuvrer de concert au développement et au mieux-être des populations sans exclusion. C'est pourquoi, à côté des actions d'ordre social, les coordinations doivent servir de catalyseurs et de forces d'impulsion pour la protection de l'environnement, lutter contre les feux de brousse, prendre une part active dans les programmes de reboisement, le soutien à l'éducation et à la santé. Il s'agit de convaincre et d'inviter nos opérateurs économiques à investir davantage dans les secteurs créateurs de richesses et d'emplois. Construction d'écoles, de centres de santé, de fermes agricoles, d'agro-industrie et autres unités de transformation, de vergers, de chambres froides, etc. De telles actions vont créer de l'emploi pour fixer les jeunes avec une meilleure redistribution des revenus et une capitalisation des ressources. N'oublions pas que nos jeunes continuent à se noyer en mer Méditerranée. N'oublions pas que la Guinée de demain est en puissance dans sa jeunesse d'aujourd'hui. Étant donné que les problèmes énergétiques sont en voie de solution, la coordination va porter désormais une attention soutenue à tous les aspects liés au développement durable. Il s'agit d'ouvrir un champ d'action inclusif et participatif, basé sur un plan simple et pratique, où beaucoup d'efforts doivent être consentis pour parvenir à des résultats profitables. La coordination exprime sa profonde reconnaissance, ses sincères remerciements et félicitations à toutes les populations guinéennes pour l'esprit de solidarité, d'amitié, de disponibilité exemplaire exprimé par tous. Tout en vous conviant à redoubler d'ardeur pour renforcer notre collaboration, nous souhaitons un bon retour à toutes les délégations et nous saurons nous souvenir de ce grand élan de solidarité. Puisse le bon Dieu, le Très-Haut, continuer à guider nos pas de l'unité, la tolérance et la paix pour un développement harmonieux au bénéfice de nos populations sans exclusion. Amen. Je vous remercie.